collaborazione con il 27esimo Festival del Cinema Africano d'Asia ed America Latina, l'appuntamento di oggi degli incontri della Civica è con il regista franco-senegalese Alain Gomis. Il regista, vincitore dell'Orso d'Argento alla Berlinale 2017, presenta agli studenti alcuni spezzoni tratti dal suo film Félicité. Perché il tuo film si intitola Félicité? Il y a deux choses qui ont influencé, trois. Le titre du film, une chanson congolaise qui s'appelle Félicité, qui est une vieille chanson des années 60 d'un chanteur qui s'appelle Joseph Kabazele. Et puis il y a un personnage dans un livre de Flaubert, un personnage qui subit beaucoup de choses dans la vie, enfin beaucoup accablé par plein de choses, et puis qui finit par connaître à la fin du livre une sorte d'illumination. Et puis il y avait, voilà, pour moi Félicité, c'était un film à la fois qui affrontait des problèmes de la vie quotidienne, une espèce de la dureté, l'âpreté, mais qui en même temps, voilà, le but, l'objectif, c'est quand même la félicité. Je voulais l'inscrire comme une sorte de panneau, de panneau d'indication, voilà. Il tuo personaggio femminile è una donna ai margini, ma con una grande dignità e forza. Si avvicina al cinema neorealista. On a des conversations entre réalisateurs et réalisatrices, et effectivement, il y a quelque chose du néoréalisme. Je pense qu'il peut être très inspirant pour le cinéma africain aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est nécessaire, il nous semble en tout cas, d'essayer de retranscrire une image du monde à une époque où le cinéma en Afrique aussi vient remplir seulement la case du divertissement. Il y a quelque chose d'important dans le fait d'essayer de retranscrire une image fidèle de la vie telle que nous la vivons. Bon, après le film, il a une partie plutôt néoréaliste et une partie plutôt surréaliste. Quel rôle a la musique dans ton film? Il y a deux musiques dans le film. Il y a la musique, parce que c'est une chanteuse, donc il y a cette musique-là qui est une musique traditionnelle, qui est devenue plus moderne, électrique. Mais qui est une musique quand même qui essaye de faire résonner l'invisible. C'est-à-dire que c'est une musique qui parle de la création du monde, qui parle des esprits. L'autre musique, c'est une musique occidentale qui est jouée par un orchestre symphonique et qui a plus une fonction de chœur antique, c'est-à-dire qui vient permettre de prendre un petit peu de distance, qui permet de raconter le film autrement et de dire en gros, ce sont des personnages, ce n'est pas seulement la ville de Kinshasa, c'est un homme, une femme, un enfant. Nel 2012 hai partecipato alla Berlinale con Aujourd'hui e quest'anno, 2017, hai vinto l'Orso d'Argento. Cosa significa per la tua carriera? La possibilité peut-être de faire un prochain film. Vivre dans une économie de cinéma qui est très fragile. Soit il y a deux façons, soit on a des grands succès, et tout va bien, ou alors on a besoin de grands festivals. Donc c'est plus un outil. Évidemment, je suis très honoré, tout ça, etc. Mais c'est très concret après, c'est un outil pour pouvoir continuer à travailler. Qual è il consiglio che puoi dare agli studenti? De faire autre chose. c'est quelque chose de... J'allais dire qu'il faut une grande, grande détermination et une grande endurance. C'est très difficile de faire des films, mais il faut être conscient de cette difficulté. Il faut vraiment que ce soit quelque chose d'indispensable, qu'on n'y ait pas d'autre choix pour y aller et y mettre tout. Il faut y mettre tout maintenant, sans jamais regarder trop loin. Il faut jouer le présent de façon absolue, je crois.